Bah alors ce combat, c'est comment? Un gars de Meudon-la-Forêt contre un mec de Vitry-sur-Seine. Ok, why not? Mais je sais que tu le veux pas ce combat. Tu prendras jamais le risque de mettre à mal ta carrière. Tu y tiens trop. La gloire, l'image que tu t'es construit, que tu t'es fabriqué, parce que t'es un rappeur fabriqué. C'est toi le champion de la récupération. T'as toujours rêvé d'avoir cette image de cité, de quartier. T'as toujours rêvé d'être un mec comme moi, marcher dehors tout seul, être respecté par le peuple, apprécié. C'est pour ça que tu me hais au fond de toi. Parce que je représente tous tes complexes. T'as capté ou pas? T'as la haine. Tu te demandes pourquoi les gens ils m'apprécient, ils me respectent comme ça et pas toi. Frère, t'as pas de valeur. T'as pas de principe, t'as pas de figure. Bon, parlons de cette vidéo où tu dis que si je t'approche, vous allez me massacrer. Bon, poteau, t'as ramené tes potes en galère à Fleury après votre bagarre de cours de récré à l'aéroport d'Orly. Là. Et il y en a un, d'ailleurs, c'est un taximan, un de tes sécu. Le pauvre, il a pas vu ses enfants pendant 2 semaines. Frère, ça a été dur pour lui. T'es pas dans sa psychologie, tu sais pas ce qu'il a traversé, lui. Tu crois vraiment que tes potes, ils vont se mettre en galère, dans des galères sombres pour ta gueule? De 7 ans, tu me dis, ouais, si tu m'approches, je marche pas tout seul. Putain, t'as besoin qu'on tienne la main pour traverser la route aussi. T'as pas honte. Mais c'est bien, au moins ta voix demi-mot que t'es une baltringue. T'es pas viril, t'as pas confiance en toi, t'es pas serein, et t'es une proie. T'as besoin de t'entourer, et ça, c'est comme ça depuis tout petit. T'as toujours mis des gens devant toi pour te protéger. Pourtant, tu fais 1m96, et tu pousses, tu fais de la muscu. Enfin, tu te piques et t'as un ver de terre musclé. Voilà. T'es là en train de nous casser les couilles avec tes histoires de CPF. Toi-même, t'es une arnaque. T'es fabriqué. C'est toi le champion de la récupération. Tu viens pas des quartiers, tu viens pas de la rue et tu veux la défier maintenant. Je vais faire le malin. Vas-tu assumer, t'es sûr? Jamais tu prendras le risque de mettre ta carrière à mal. Tu veux pas ce combat. Tu vas nous bluffer jusqu'à la fin. Comme t'as fait avec les influenceurs et les rappeurs. T'es là juste pour faire, pour remplir ton fil d'actualité. Tu sais que les médias vont relayer tes conneries. On a vu ta vidéo là, en noir et blanc. Déjà, pourquoi t'as mis un filtre noir et blanc déjà? Pourquoi t'as mis un filtre noir et blanc? Et tu... C'est quoi ton jeu d'acteur de série B là? En plus, t'as peur dans tes yeux, langage corporel de trouillard. Il y a une psy, elle a marqué ça dans les coms. Je suis psy, je suis spécialiste, je reconnais, il a un langage corporel de trouillard. Eh ouais, t'as un bouffon, il dit. Tu l'assumes pas et t'en veux à tout le monde pour ça. Toi, t'es quelqu'un qui a été traumatisé dans ton enfance. Quelqu'un a abusé de toi. Ou t'a maltraité. En tout cas, il s'est passé quelque chose dans ton enfance. Parce qu'en règle générale, ça vient de l'enfance. Et je suis persuadé qu'on t'a fait du mal dans ton enfance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu te venges. T'as un secret que tu gardes dans ta tête de fou, là. Eh! Ça soigne, ça. Normalement, toi, tu devrais marcher avec une piqûre par mois. Tu vois, tu devrais te faire interner et prendre la piqûre par mois. Mais on te laisse là, comme ça, libre. Et tu fais tes conneries sur Internet. Soigne-toi, frère. T'as des enfants. Que je sorte un album ou un son, tu vas absolument sortir le même jour que moi. Ah, on m'a dit, il a sorti un son le même jour que Lifestyle. Je savais même pas, frère. Ton truc, il est éclaté au sous-sol. On a parlé que de Lifestyle. Tu te rends compte? En TT pendant je sais pas combien de jours. Que pour Lifestyle. J'essaie toujours de détourner l'attention. Polluer le son, dire c'est pas bon, machin, alors qu'en réalité, le son, tu sais, tu te l'as mangé dans ta voiture, tu t'es mangé une tarte et tu t'es dit, wow, c'est dangereux, faut que je sabote tout ça. Ouais. Mais dis-moi, c'est qui veut se comparer à moi que lui? Personne. Je suis ta référence. Depuis le début, frère, à Bois d'Arcy, t'as signé le code de l'honneur. Je le sais, je t'ai appris beaucoup de choses. T'as appris la rue à travers mes albums. T'as appris à comment parler au peuple. Mais le peuple ne t'aime pas. Parce que tu ressembles pas au peuple. Tu l'as toujours méprisé, tu méprisais les APL, souviens-toi, les Z, les HLM, les Air Max TN. Souviens-toi comment toutes tes phases là où tu rabaisses bien le peuple. Tu faisais le capitaliste. Et aujourd'hui, tu fais le défenseur du peuple pour le CPF. Toi-même, t'es une arnaque. Oui, oui, une grosse arnaque. T'es devenu un indic, un snitch à buzz. Tu tags toutes les polices du monde sur ton Twitter. On dirait que tu bosses pour l'État. Je comprends rien. Avant, tu chantais l'illicite, maintenant, t'es une balance décomplexée. Et si l'influenceuse avait accepté de former un couple power pour 50K par pub? Comme tu quémandais, aujourd'hui tu ferais pas ta guerre aux influenceurs. Parce que toi-même, t'es un influenceur. En fait, toi, t'es juste un opportuniste. Si ça prend pas, tu fais la guerre. T'es un mytho. Aujourd'hui, tu seras en train de faire des 50K par pub avec l'influenceuse. Mais comme ça, elle a pas voulu être à tège, comme un malpropre, tu fais la guerre. Voilà. Alors, je précise bien que je défends pas les influenceurs. Je les cala même pas, je les regarde pas, frère. Ils m'intéressent pas.
Par contre, le justicier d'internet, là, justicier du net, là, fatigué. 46 piges de bille. Bon, je vais pas rentrer dans les histoires de God Michel, ceinture. Bon, on est au courant. Et que tu kiffes grave te faire pincer les tétons. Je sais pas comment tu fais. Ça doit faire super mal. Mais toi, t'éprouves du plaisir. Voilà, t'es un ouf. Toi, t'es trop les genres de mecs qui payent pour aller se faire cravacher, tout ça. J'imagine. Je sais pas, tu t'es fait traumatiser dans ton enfance. Enfin, bref. On sait que t'achètes tes succès, tes retweets, tes vues, tes likes, tes followers. T'es organisé. T'as 1000 faux comptes sur Twitter, sur Insta. Tu te réponds tout seul. Plein de trucs et t'as une équipe là de rapistes là et de bouffons là qui vous organisez en DM tout ça, on est au courant de tout. Et puis t'es pas fatigué de switcher entre les clashs pour esquiver, faire genre hey, ton embrouille mytho avec Cyril Hanouna, vous êtes passé un coup de fil, viens on fait genre, comme ça ça chauffe, on fait de l'actualité, on remplit le Stade de France et tu vas distribuer des places à tout le monde, tu vas distribuer 60 000 places juste pour le nom, pour la gloire, mais fais une fête de l'humain, fais la fête de l'humanité direct, c'est gratuit. Tu vas distribuer, gaspiller autant d'argent juste pour le nom. Regardez, juste l'UA Arena. T'as dit, on est 40 000. Frère, l'AFP et l'UA Arena et la direction de l'UA Arena ont annoncé 30 000. Hein? C'est-à-dire que dans la fosse, si tout le monde se poussait bien, on pouvait faire un 8 contre 8. Un 5. Non, un 8 contre 8. Bon, les petits, ils nous voient comme des anciens maintenant. Mais on dirait que t'as oublié de grandir, toi. On dirait que t'as 12 ans et demi dans ta tête. T'as le syndrome de Peter Pan. C'est pour ça que tu vas chercher les gamines de 14, 15, 16 ans. T'as pas grandi, t'en as tardé. Prends de la maturité un peu. Je sais pas moi. Là, tu es un bonhomme là, frère. Même pour tes enfants, ils vont te voir comme un fatigué après. Gros, soigne-toi, fais des thérapies, fais quelque chose. Va faire un truc alcoolique anonyme, schlag anonyme, je sais pas, fais quelque chose. Tu peux t'en sortir, frère. Tu peux sortir de ça en vérité. Regarde, moi, je suis normal, je suis équilibré, je fais du sport, j'ai pas besoin de me droguer, je suis en pleine forme. Frère, viens faire des 10 km ensemble. Tu vas voir, frère. Je vais te laisser des 10 minutes derrière moi. Même 15-20 même. Fatigué, et tu veux m'affronter moi, mais je vais te ruiner ta vie. Eh frère, j'espère que tu prendras ce risque. J'espère que tu es assez fou pour monter dans le ring avec moi. T'as vu? À la base, moi je règle les choses autrement. Ah, là, tu m'emmènes dans des trucs, c'est pas trop notre truc à nous, t'as vu? Mais y a pas le choix. Ah, t'es là, tu parles comme une victime. Ouais, moi je marche pas tout seul. Tu peux pas savoir comment je suis fier de moi quand je vois des mecs fatigués comme toi. Prétentieux, arrogant. Éclaté au sous-sol, mythomane. Non, franchement, je suis fier de partir du bled, d'avoir traversé le 9-3, le 9-4, d'être de la France d'en bas et d'être monté pour déranger des trous du cul comme toi. Voilà, je suis. Tu peux pas savoir là. Tu pourras jamais éprouver ce plaisir de pouvoir marcher tout seul dehors, tranquille. Tu vois, je veux dire. Et que tout le monde te prenne dans les bras, tout le monde te respecte, tout le monde dit t'es à la maison ici. Tu pourras jamais ça. Je sais que ça te fait mal au fond de toi de voir un mec à un rof comme moi là. Dès que t'entends rof, tu. Ah. Bon, je vais en finir avec toi. Après, je vais jouer.